Bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti rouler du blé tendre, deux parcelles qui avaient été semées, une le 16 derrière moi et l'autre le 29 décembre. Il y a un petit problème, il y a des manques de pieds et la terre est soufflée, là c'est un sort d'argilo calcaire, mais il y a pas, c'est plus gros et il y a un petit problème, ça veut pas se rappuyer. Et comme on avait semé sur le labour, vu toute la pluie qu'il y a eu, et pour gérer ce problème d'oiseaux, parce que les oiseaux ont détruit environ, je vais dire 10% des pieds. Je vais vous montrer comment ça se passe tout à l'heure. Alors, voilà le rouleau que j'utilise. Bon, vous allez me dire 6m30 pour le 956, ça va aller. Mais le problème, c'est que je ne vais pas prendre le 743 pour... les roues sont plus larges en fait du 956. Ça permet de moins tasser. Cela dans les passages de traitement, là, vous voyez, c'est avec le 743, ça tasse beaucoup plus et c'est moins large. Et ça fatiguerait un peu le blé. Alors, là, moi c'est un Eva que je trouve pas très déconnant. Parce que c'est des crénelés doux. Là vous allez voir la différence. Bon là vous voyez, on a mis de l'engrais de fond, là, du phosphore. C'est le blé. Il y a même des lapins maintenant qui mangent le blé. C'est, je sais pas si... Ah si. Je vais vous retrouver là. Là c'était un pied de blé qui avait été mal recouvert. Et l'oiseau, l'alouette ou je sais pas quoi, ils ont juste mangé le grain et laissé les feuilles, et vous voyez, ça a desséché. Dans le coup, il manque des pieds. Là, ça a été désherbé il y a 15 jours, ouais, maintenant. Vous voyez les Véroniques, là, il y avait un coquelicot. Et des régras, je sais pas si je vais vous en trouver. Des régras. Ah si, là, un régras. J'espère que ça va les faire. Parce que... Oh si, ça a l'air de l'avoir un peu fatigué. Bon, 15 jours après, on peut pas voir l'efficacité. Et là, j'en profite pour rouler. Vous voyez, c'est assez ressuyé. Bon, le dessous est encore humide. Mais dans des terres comme ça, bon, vous voyez, il y a beaucoup de cailloux. Il y a certains rangs là qui ont été plus mangés que d'autres, je sais pas pourquoi. Et je vais vous montrer quand c'est pas quand c'est rouloté. Là vous voyez ce que ça donne. Ça rappuie le sol. On va essayer de favoriser le talage. Vous voyez, hein, ça coupe passe un peu les feuilles. Mais moins qu'un rouleau cranté. Je vais vous laisser sur des petites prises de vue du travail. Et moi, je vous dis à bientôt. Thank you.
Thank you.